Salut YouTube, on est le lendemain de la Carsi Cup et on va lancer du coup une Almost 6 No Death Randomizer sur une autre seed parce que j'ai dormi 4 heures et donc on va pas mettre en l'air la 105 que j'avais qui est toujours valide. On va en faire une conjointement et le premier qui meurt va sur l'autre en gros. Voilà. Merci à tous YouTube. Merci YouTube. Et let's go. Ok, c'est parti mesdames, messieurs. Et puis on va la timer, je pense, cette partie. Ah, l'encre, oui, pas mal, mais ça fait des dégâts perçants. Ça fait des dégâts perçants, malheureusement. S'il y a quelqu'un qui peut mettre un message sur YouTube, je suis preneur pour voir si ça marche, si ça fonctionne bien, mais après... Et ben voilà, merci. Merci Ellie. Salut. salut Ellie, ça fonctionne, nickel. Ok, donc là on a le bouclier de sang. Ah oui, pour la Holbo 6, par contre, on peut aller faire Gréol, ça c'est vrai que c'est bien. Ouais, ça m'a appris à setup beaucoup plus vite. Et surtout, ce qui va être caviar, je pense, c'est de pouvoir prendre le temps de faire des trucs que tu voudrais faire normalement, mais que tu pouvais pas faire parce que c'était chronométré. Je pense que le starter, il n'y a pas de débat, on va prendre ça. C'est parti. Salut Jeff Parcours, salut Crystal sur YouTube, coucou à vous. Voilà mesdames, messieurs, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, je me suis beaucoup entraîné, j'ai pris en galon sur beaucoup de choses grâce à cette Carsi Cup. Même si le soir de l'event, c'était vraiment pas bien ma prestation. Ben écoutez, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Rien n'est perdu, pour le coup. Là, je suis en fat roll. C'est bon, charge moyenne. Ouais, ça a élevé le level de ouf. Hein. Je sais pas comment vous étiez, vous, avant votre Carsi Cup, mais... Tain, regardez, c'est ça, le bug. Il est là, le bug qui voulait éviter Carsi. Faut que tu me tues, mec. Faut que tu me tues vite. Ah, parfait. Ah oui. Attends, il en fait une deuxième, je crois. Oh non. S'il s'envole, je suis mort. Des illustrations. Coucou. Oh oui, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Ça fait combien de boss hier soir? Avant, pendant ou après ma mort? Ah, et regardez, oui, la liste. J'ai mis à jour, du coup. C'est plus gros et attention, c'est en français et c'est plus gros et c'est ma typo. C'est ma typo. C'est Pearl qui a gagné dans la poule. C'est Pearl qui a gagné dans notre poule. Et là, vous pouvez taper Kassos, point d'exclamation Kassos, et vous aurez du coup ce que je suis en train de faire actuellement. Ok. En vrai, je suis tellement pas stressé comparé à hier, là. C'est grave. C'est vraiment grave d'avoir autant stressé. Putain, c'est cosplay Bloodborne, là. BPM à 40 aujourd'hui, ouais. Cœur de sportif aujourd'hui. C'est pas vrai, non, j'ai pas stressé hier. J'ai pas stressé du tout. Ouais, je suis mort. Je suis mort 4 fois, Romain. Salut Mikiteur, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Mais c'est pas perdu, hein, en vrai. Parce que regardez, là, on va setup comme des tarés en une heure et après on va commencer à aller taper des boss pour la Holbo 6 No Death. Après, c'est pas pour ça qu'il faut grid, puisque j'ai quand même le temps. Mais on va y arriver, là. Prochain objo, c'est arriver à faire cette putain de run Holbo 6 No Death Randomizer. Attendez, je vais chercher le croc du limier. Go chercher le croc du limier. Alors, Reborn, épée bâtard. Je vais y arriver, je pense, ouais.
Ça, Dachin, si t'es chaud pour faire le défi, tiens au jus de comment tu t'en sors et tout. Je suis tellement content parce que franchement, on a rencontré tellement de gens sur ce compète et tout. Même s'il n'y a pas que des streamers et tout, c'est vraiment génial d'avoir fait ça comme event. Goodbye. What is it? Putain, wow. Hey! Non, je m'en sers pas là de mon compteur de pierre, on peut les voir là. 2, 4, 5, 8. Pas mal, hein? Oh, et on a une torche anti-bête. 3500, ça va, c'est pas mal. Goodbye. C'est pas mal. Putain, vous imaginez pas le plaisir que c'est d'avoir le temps de regarder un putain de shop. Mais franchement, c'est le plaisir, quoi, d'avoir le temps de regarder le shop. Incroyable, quoi. Comment ça, 70 boss, Dels? Oui, les deux dernières... Enfin, surtout la troisième. La troisième, c'était la mort du tilt. Ok. Tout ça pour ça. Salut, Snake. Salut, mais qu'il est con. Comment ça va? Ah, il y avait du crabe. Ah oui, le 70, j'avais pas vu, ok. Isha. Isha pot pie. Alors, c'est quoi que tu nous dis, Farmington? C'est clair et compréhensible que tu aurais aimé faire une bonne prestation, mais le gagnant, hier, il a fait 70, ouais. C'est Pearl, ouais. 69, il a fait. Une autre catégorie, donc pas de regret à avoir. C'est vrai! C'est vrai que dans tous les cas, j'aurais... Ah mais est-ce que j'aurais pu faire 62 dans ma poule? 62 dans ma poule. J'aurais pas pu parce que j'ai jamais été au-delà de 50 et je pense qu'à un moment, j'aurais été perdu. Il écrit comment ton cas sociaux? Mais tu l'as écrit juste ici, Crystal, regarde. Non mais Aronieu, c'est une machine en fait. Je pensais pas qu'il était aussi fort, c'est un truc de fou. 69 boss, c'est-à-dire qu'il a battu le PB de la Carsi Cup. À la Carsi Cup, il a battu le PB de tous les joueurs confondus quoi. Tous les joueurs confondus. Et regardez, je me concentre même pas pour savoir où aller et tout. J'ai le routing dans la tête là. Sa run elle doit être folle ouais, faudra que j'aille voir aussi je pense, ça doit être insane. Grand favori, je pense, Aéronieux. Aéronieux, Pearl, Forza, la Miche, je crois qu'ils sont qualifiés. Qui c'est qu'il y a d'autres? Qui c'est qu'il y a d'autres? Darod, ok. R6. Mais ben ouais, la semaine prochaine, il y a la P2. La semaine prochaine, il y a la P2, ouais. Stark Jarien suit la chaîne. Merci pour le follow. Ah ouais. L'alarme pour stun, ça c'est propre. Merci Stark Jarien. Merci beaucoup, bienvenue. Go se faire un apéro react. Moi je suis chaud, moi je bloque mon vendredi pour un apéro react avec vous. Franchement, trop trop chaud. Mais même hein, tous les vendredis, apéro react, hein. On s'en fout. Hein. On react sur des trucs, rien à battre. Hein. Genre 30 millions d'amis, je sais pas, faites entrer l'accusé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Recherche appartement ou maison, go go go. React 90 enquêtes, exactement. Trop chaud. Vous le voyez bien le compteur là-haut ou pas trop, en haut à droite de l'écran? Je pourrais le grossir, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui est génial, c'est que quand tu fais ça, c'est en français et c'est gros. Encore un grand gourdin. Ça, c'est bien d'avoir le grand gourdin. La gourdinette. Sur tel, c'est petit, ouais. Je me doute.
Faut que je le grossisse encore un peu. Ah, si tu veux, je te montrerai Kalia. En fait, c'est ultra simple. Voilà. Franchement, j'ai chié dans la colle pour pas y arriver, mais... En fait, c'est facile. Je te montrerai. Allez, putain! Je sais qu'on n'est pas chronométré, mais quand même. Là, j'ai mis 50 en typo. Faire 5 fois 1. Et... Oh! Et voilà ce que ça m'a appris aussi, la Car City Cup. À tester des nouveaux trucs. Et le track géant, je sais que c'est vraiment banger pour le coup. C'est un banger, ça. Alors, on parie combien? Dans mon titre, il y a écrit 105 sur 160. Ceux qui vont arriver, ils vont taper point d'exclamation mort. Pour voir si je suis mort, puisque là, je suis au début. On parie combien que les nouveaux, ils vont taper ça? Ok, pierre 4, pierre 6, sombre. Putain, les pierres sombres, il y en a un paquet. Hein. Et ben du coup, Liandrin, je me remets dans la Hall Bosses Nodes, là, Liandrin. Ah, bonjour Kalia, tes nouvelles? T'arrives d'où, du coup, de Twitch ou de YouTube? Bienvenue, Kalia. Bienvenue. Salut sur YouTube aussi, coucou à vous. Hein. Vous pouvez me parler, je vois vos messages, hein. Y a pas de souci. Ça fonctionne du feu de Dieu. T'arrives de TikTok, ok. Ah, bah écoute, bienvenue, hein. Le jeu, c'est, si jamais tu te poses la question, si t'arrives de TikTok, c'est Elden Ring. Ça a été créé par les créateurs de Dark Souls. Avec plaisir, Kalia. Avec plaisir. Dark Souls, Demon Souls, tout ça. Hein. Moi aussi, je suis nouveau. C'est toi qui faisais des vidéos de malade bien rageux sur Red Dead Online, c'est ça. Mais qui le con. Oui, c'est ça. Putain, oui, c'est vrai que je faisais ça. Avec des câbles. Salut, Lucas. Salut, c'est quoi pour toi les choses indispensables pour bien jouer? Alors, ça dépend, Lucas. Ta question, elle est méga intéressante, mais pour bien jouer, c'est-à-dire, est-ce que tu pourrais juste plus me décrire le bien jouer? C'est vrai qu'on aurait dit un taré à l'époque des montages de Red Dead Online, là, on aurait dit un zinzin. Ouais. On va peut-être rester safe quand même. Vous l'avez vu le pixel de vie là? Parce que moi je l'ai pas vu. Hein. Je pense que là je suis ressuscité d'entre les morts là. J'ai pas pris le dégât mais. Oh, wow, j'ai tellement failli crever. Thune, majeure, incantation, arme selon toi. Pour moi, les trucs indispensables pour jouer, c'est déjà de mettre des bonnes cendres de guerre sur les bonnes armes. C'est-à-dire que si tu fais du saignement, c'est pas mal d'aller compléter avec une autre cendre de guerre de saignement. Si tu fais, du saignement, tu peux aussi compléter avec du givre, ce qui est pas mal. Hein, elle est bien cette arme. Après, elle est pas mal. Hein. Après moi je pense que la rune de Godric le Greffé elle est très cool au début, la rune majeure de Godric le Greffé au départ. Après tu peux changer pour la rune de Morgoth qui va t'augmenter de 25% tes PV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Toujours avoir un arc sur soi qui est augmenté plus 25 pour pouvoir faire des mobs à distance et tout. Qu'importe le build, toujours avoir un arc sur soi. Donc le premier arc que tu peux trouver c'est sur le marchand à la plage dans le jeu Vanilla. Quoi d'autre? Un bouclier aussi, un bon bouclier avec dessus aucune compétence, comme ça tu peux le sortir, parer et utiliser ton weapon art sans avoir besoin de le ranger. Donc ça c'est cool. Ça se trouve chez Bernal, au maître de guerre. Voilà quoi, moi je pense que je vais faire une énorme vidéo de bilan après tout ce truc de randomizer et tout. Sorte de gros bilan où je fais que parler quoi par contre, mais que j'ai appris, ce que j'ai pas appris, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, etc.
Je vais quand même m'asseoir, non? T'as un noble sancte-cher. Putain, mais maintenant, quand je vois un noble sancte-cher, je suis content, quoi. Je suis content de voir ce boss parce que je me dis, putain, c'est Aise. De merguez. Ceux qui me font toujours peur, c'est Malikette. C'est Malenia quand elle est scalée de ouf. Et c'est Morgoth aussi, le Mog, pardon, le seigneur du sang. Concrètement, Mog, l'air de rien, hein, Godric le greffé, je l'aime pas du tout. Hein. Salopard, hein, le Godric le greffé, je trouve qu'il est fort de ouf. Hein. Si tu joues l'âme blasphématoire, Lucas, tu prends... t'es Malikette, on en parlait. Tu prends le talisman d'Alexander. Tu prends dans ta fiole de salut miraculeux la perle de feu, qui t'augmente les dégâts de feu. Tu te mets aussi comme talisman le pavois draconique pour prendre moins de dégâts. Et les mers, ouais. Et les mers, je vais lui faire une émote. Il y en a qu'on checkait. Attendez, parce que là, du coup, je peux faire ça. Ouais. Ouais, je peux faire ça. Attendez, regardez. Est-ce qu'il y en a qui ont checké ma miniature de YouTube? Est-ce qu'il y en a qui ont checké ça? Alors, attendez, je sais pas si j'y ai accès, là. Je vais essayer de la choper, la minia. Elle est là. Télécharger, voilà. Tac. Je vais essayer de vous la montrer sur... Attends, regardez. On va essayer de faire une émote d'Elémère, comme ça. Ça, c'est la minia pour mes lives YouTube. C'est la guerre. Et les mères, on va bien l'éclater quand on va le croiser là. Ah, Malikette, il est très fort. Malikette, franchement, faut absolument que j'apprenne ses patterns. Un petit poussin, c'est vrai, ça me va bien autant. Mais c'est pour ça que j'ai mis ce pull aujourd'hui, parce que à chaque fois que je mets ce pull, vous me dites oh, dis donc, ça te va bien et tout, ribot, machin. Du coup, je me suis dit bon, j'ai échoué ma Carsi Cup, mais au moins j'aurai une belle gueule. Maintenant, j'adore avoir Malikette P1 dans une arène plate sans mur, genre au dehors. Je le trouve plus simple. Et dans son arène de base, tu le trouves comment? C'est plus dur ou c'est... Parce que tu peux tomber quand même, mais... Est-ce que ça te va, l'arène de base du boss? Oui, ça te scie. Bon, ben merci, Laurie, dis donc. Merci que ça me scie. Ça me scide. Ça te siède. C'est la cide. Avec les pylônes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les pylônes. Les pylônes. Putain de pylônes. Comment tu l'as appelé, Malenia? C'était quoi déjà? C'est quoi que t'es... Maneli. C'est Maneli. Ah là, il y a quand même quelqu'un qui est mort là à cause d'un écureuil. Manelli. Putain, je vais faire une émote Manelli presque. Pierre 2 x 3, ça c'est cool. Pierre 5, je crois que je suis maxé. Pierre 7. Putain, mais il y a beaucoup de pierres là. Waouh, waouh, waouh. Pierre 9. Mais il n'y a que des pierres en fait. Je ramasse que des cailloux quoi. Un objet sur deux, c'est des cailloux. Et juste le setup de la Carsi Cup par contre, pour le Holbo 6 Nodes. C'est du caviar, mais genre vraiment, c'est trop bien. Merci pour les invocations de Pierre de Fort, merci beaucoup. Alors là, j'y allais pas à cause de lui, de ça, quoi, de tout ça, quoi. Oui, dans la petite cave, tu perds les mots, là, ouais. C'est clair.
Moi, j'aurais fait « Ouah, putain, je suis mort !» J'aurais fait le fameux « Je suis mort. Je suis mort. » Je sais pas ce que c'est en garde, j'ai jamais testé. Bon, du coup, stream demain 8h. Les loulous, ça s'arrête pas là. Je fais ça parce que c'est stylé, je trouve. Ok. Donc là, du coup, je suis perdu. Lenlin, il a trouvé une pierre 4 là. Là, là. Là-dedans, il a eu une pierre 4 sombre quand il faisait son setup de Carsy Cup. Hein. Je pense qu'il n'y a que lui qui l'a trouvé. Hein. Il a les yeux de... Je sais pas. En tout cas, s'il y a un autre event comme ça, je participerai volontiers et j'essaierai de faire en sorte de pas stresser. Peut-être j'irai voir un hypnotiseur avant la run pour me détendre. Pour éviter de perdre mon sang-froid. Hier, j'ai vraiment clairement perdu mon sang-froid. Du coup, c'est vraiment cool pour les boss, le setup Carsy Cup. Oh, cool, les pierres de forge sombre 1. Yes, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, plus qu'une arme. Salut Christophe. Coucou, comment tu vas? J'ai vraiment le setup pour les armes sombres, là. Je pense que je m'en tirerais mieux, ouais. De toute façon, c'était ma première compète de toute ma vie, si vous voulez. C'était ma première compète. J'ai pas fait de sport en compétition, j'ai pas fait de compète tout court, j'ai pas fait tout ça. Le seul truc que j'ai fait en compète, c'était des entretiens d'embauche. J'ai gagné, bien sûr. Et du coup, je suis pas habitué à tout ça, à tout le stress qui est au-dessus. Donc, c'est aussi à moi de travailler pour éviter de trop stresser, quoi. Il y a beaucoup de messages qui sont revenus sur Discord, là, comme quoi il fallait que j'aie plus confiance en moi et tout. Mais hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trop confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller taper alors que j'avais fait 20 minutes de setup, quoi. Pour le coup, j'ai trop cru en moi, là. Il va falloir que je prenne un arconique, par contre. Oui, de nature, je suis stressé, il n'y a qu'à voir le dessus de ma tête, hein, Cristal. Comment tu vas, Christophe? Ça marche bien sur YouTube ou pas? Ça va bien, il me dit. Ok. Baigne pour Christophe. J'espère que la qualité est bonne sur YouTube. J'espère fort. Bon, on a quand même des bons trucs, là. On a un bon setup, il ne manque plus qu'une arme sombre. Du coup, je vais là. Est-ce que ça pue? C'est là que ça pue à chaque fois. Là. Je me permets, mon bon et beau ribot. Ton problème, c'est ni le trop, ni le pas assez de confiance. Ton problème, c'est que tu te compares tout le temps aux autres. Mais t'as raison en plus. C'est vrai, Chico. Deux fois, tu mets dans le mille, Chico. C'est que je fais pas mon propre truc dans mon coin. C'est que j'essaie de faire mieux que les autres. Je veux trop ressembler à mes pères, alors que je suis juste à l'état de nourrisson, nutritifié au lait de biberon. Raison, Chico. Tu faisais trois bosses en 6 heures avant, c'est vrai. C'est vrai, t'en es en reset. C'est vrai que maintenant je fonce. Mais bon, là, il va falloir jauger le grid et le pas grid hein, dans la Old Boss 6 Notes. C'est vrai, ouais.
Ah non, au secours. Je le tente. Hein. C'est plus fort. Hein. J'ai eu l'objet, c'était des cucuries. Pas du tout rentable, merci à tous. Voilà, chevalier du creuset, au moins on sait qu'on l'aura pas ailleurs. Hein. La dame aussi qui faisait l'empalement putréfié. Le plaisir là, le plaisir. Oh, t'es un Alexander. Oh, un petit talisman. C'est quoi la zone la plus chiante? Lucas, tu parles en zone normale ou en zone random? Là, je suis en randomizer, mais moi, la zone normale, je te dirais que c'est le lac putréfié, qui est quand même costaud. Hein. Le Kaelid Nord. Non, Kaelid Nord, concrètement, pardon, je change. Je change pour Kaelid Nord. Frisbee. Et en randomizer, bah. La catacombe de l'empaleur en début de game. C'est vrai. Bon, par contre, cette année, on fait du speedrun là après. Donc, on va essayer de bosser un jeu en speedrun. Pas trop long. J'aimerais des runs de 35 minutes. Je sais pas quoi faire du coup comme jeu. Ah oui, en rando, la zone de l'arbre de Malenia, t'as raison. En rando, là. Ah putain, là. Au secours. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, cool, un masque qui donne de la dex. Je crois que c'est même 3 points de dex. Donc c'est très fort. Pas d'arme sombre encore. Salut Messa David. Ah, The Messenger, non, mais je l'ai sur Switch, je l'ai téléchargé. J'y ai pas joué, mais je l'ai téléchargé, ouais. Une espèce de Metroidvania, je crois qu'il y a même un cliffhanger au milieu du jeu, non? Genre, au début tu joues à un jeu et après c'est un autre jeu dans le milieu. Apparemment il est trop bien. J'avais vu Atobium y jouer. The Messenger. C'est ça plus ou moins, ok. Y a pas le 2 qui est sorti, mais ça David. Est-ce que je pourrais speedrun comme jeu? Pour ça, il y a quelqu'un qui lui a posé la question la dernière fois et Forza il a répondu, faut absolument que tu fasses un jeu que tu kiffes et que tu as envie de speedrun parce qu'il y a tellement de tryhard que... En gros, putain, lui il vend du banger lui. Hein. Donc moi concrètement je pourrais faire tous les Metroid. Metroid Dread, je rêverais de le faire. Mais bon, je vais bousiller les stats de ma chaîne hein, si je fais ça, je le dis hein, clairement. Metroid Dread, je kifferais faire ça, ouais. Prince of Persia, ouais, mais le problème c'est que tu vois, j'ai même pas joué là alors qu'il est sorti il y a pas longtemps. Il y a un DLC qui est sorti, ok. Sea of Stars, ça c'est trop mou, hein. En tout cas à faire un stream, c'est impossible à faire un stream, je te le dis. Ah, pourquoi pas, c'est une secondaire de speedrun. Bah sinon je fais mes entraînements de speedrun sur YouTube. T'as raison. Très bonne idée. Entraînement de speedrun sur YouTube. Et de temps en temps, du coup, quand je vois que j'ai fait des step-up de level, je fais des streams éphémères, on va dire, sur Twitch. Oh putain. C'est un petit objet, du coup je m'en fous, j'y vais pas là. Pourquoi pas, ouais. Très bonne idée, Kalia, merci. Merci beaucoup de participer à la non-déchéance de ma chaîne. Salut Akua. On a déjà fini le jeu. Ouais, alors en Vanilla 13 fois et en All Bosses No Death Randomizer 0 fois. Mais bon, là j'ai pris vraiment du galon, donc je l'ai peut-être pas fini en All Bosses, mais... J'en connais un rayon grâce à ça. Ouais, tout le monde me conseille de faire Hollow Knight. Apparemment, c'est un banger absolu. C'est 10 euros le conseil. Ça va. Attends, il y avait un dragon là qui était... Okay. Ouais, mais Hades, le truc c'est que... Oui, en découverte Hades, ouais, pourquoi pas. Putain, mais vous avez vu maintenant, j'arrive à faire des trucs comme ça, quoi. Pourquoi pas Elden Ring, hein, mais...
quand je vois quand je vois le level à côté, le niveau des autres, je me dis Elden, c'est impossible. Après, c'est qu'une heure, le speedrun, quand tu y arrives, on va dire. Ah, t'as pas aimé, toi, Hollow Knight, mais ça, David, pourquoi? Tu saurais dire pourquoi ou pas? Toi, tes deux jeux all-time, c'est Hades et Elden. Moi, c'est, je crois qu'en y réfléchissant, mon jeu préféré, c'est Dark Souls 1, pour le coup. Et Elden Ring, concrètement, c'est incroyable comme jeu. Eternas, je connais pas du tout. Metroidvania. Alors moi, je vous en conseille un qui est génial, qui est trop cool, c'est The Last Faith. Faith pour la foi. Pas les fesses, du cul. Mais The Last Faith, c'est vraiment un banger, hein. J'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est vrai, merci Crystal de me rappeler à l'ordre. D'ailleurs, on fera Dragon's Dogma pour se faire notre propre avis. C'est quand? C'est le 22 mars, je crois. Personne connaît quelqu'un chez Capcom? Personne connaît un gars chez Capcom que je pourrais contacter pour avoir peut-être une OP dessus? Pourquoi les ruines sont cassées, là? À Outer Wilds, il y a beaucoup de sons positifs, de sons de cloche positifs aussi. J'ai entendu dire que c'était un putain de jeu. Ah, et merde. Ça va. Mais Dragon's Dogma, il est pas sorti. Il sort le 22 mars. Ouais, entièrement no spoil, ok. Ok, Ced. Attention, je pense que si c'est... Attends, je peux dupliquer le souvenir de Malikette, là. Si je fais ça, je pense que je le ferai hors stream, hein, concrètement. Ah, tu peux préparer ton perso? Génial. Et Dragon's Dogma, apparemment, c'est... En tout cas, de ce qu'avait dit Exerve comme avis, il n'a pas kiffé, voilà, il n'a pas aimé. Pourquoi je m'en fous, concrètement? On va dupliquer le souvenir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire le marchand de la plage aussi après. Ok, je l'avais jamais fait et j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. Oh, qu'est-ce qu'il est cool, Red Dead 1 Farmington. Moi, je vous avoue, j'ai préféré Red Dead 1 avec du recul, là. Du coup, j'ai quand même pas mal de recul maintenant sur Red Dead Redemption. En fait, j'ai beaucoup aimé Red Dead 1 parce qu'il est plus arcade que Red Dead 2. Red Dead 2, il se veut si réaliste que, en fait, ça pète le fun d'un jeu vidéo. Que ça... Après, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Red Dead 2, c'est le meilleur jeu ever. Enfin, il est trop cool. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand on compare les deux, je trouve que Red Dead 2, il est mou comparé à Red Dead 1. Mais l'histoire est mieux dans le 2. Hein. Tout est mieux. Hein. Les graphismes, tout. Et juste, je trouve que c'est plus mou. Le côté arcade du 1 me plaît, quoi. Ça fait plus jeu vidéo, tu vois. Ouais, le gameplay a vieilli, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je les attends au tournant, Rockstar, quand ils vont faire GTA 6, là. Parce qu'en fait, faire du cover shooter, ça va bien en 1990-2010, mais là, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais ça marche plus, tout ça. T'as l'entrave de Margit à 200 balles. La torse sentinelle à 1200 balles, waouh. Bon, je prends le feu, mais... Parce que je suis pas en Carsy Cup, ok. Exclamation Cassos!
Parce qu'en fait, ça se veut super réaliste, les jeux Rockstar. Ok, donc ils font des bagnoles qui vont vite, de la conduite extraordinaire, des chevaux qui ont des muscles et des couilles qui rétrécissent quand il fait froid. Rockstar Games, quoi, en gros. Mais, du coup, quand tu pars en mission, tu tues 500 personnes, tu te prends 200 balles, tu meurs pas. Est-ce que ça, c'est réaliste? Pas trop. Pas trop. Oui, c'est ça. Les deux entraves font ça. Mais ça, David. Ah oh bah oui, de toute façon, quand t'as une recette qui marche, Farmington, c'est normal qu'il fasse ça. Hein. Toi, t'as pas le chat de Twitch, Lucas, sur YouTube. Mais même sur Twitch, vous avez pas le chat de YouTube. Putain, mais je comprends pourquoi Forza, il a fait ce qu'il a fait. Il a réussi à coder un bot, Forza, qui permet d'envoyer les messages sur l'un et sur l'autre. C'est ça, la difficulté, c'est de placer le curseur du réalisme. Je pense, t'as raison, Neil. Ben c'est ça, un jeu où tu paies ton assurance santé, bof. Hein. D'accord. Hein. Je suis assez d'accord, mais c'est... Je sais pas. Moi, ce qui m'a un peu gêné, le truc qui m'a le plus gêné, je crois, dans Red Dead 2, c'est qu'on peut pas courir dans le camp. Quand t'arrives dans ton putain de camp et que tu peux pas courir, je me disais, mais en fait, à quel point ils veulent être réalistes? C'est-à-dire que du coup, ils veulent du réalisme de partout, mais on t'empêche de courir dans le camp. Ah ça, comment j'ai pété des câbles. Pété des plombs, tu voulais aller vite et t'as ton personnage qui marche comme ça. Ok, bon, là, ma chère mère. À l'aide. Est-ce que j'ai une arme sombre? Non, on va pas faire comme hier, on va continuer le setup. On va aller à l'urnia du coup. Je vais changer de chaise, le chat. Ça fait genre 6 mois que... Ça fait pas longtemps que j'ai changé de chaise, mais en fait, j'ai bousillé celle-ci. Elle était pas très quali, je vous la conseille pas trop sur Amazon. Je vous enverrai la ref si vous voulez, mais je vous la conseille pas trop si jamais quoi. T'as des pierres de forge 3. Là, je pense que je vais m'acheter une Inomi H1 Pro V2. Ça vaut 600 balles, mais au moins t'es bien assis et tu prends soin de ton corps quoi. Ouais, je me suis trop chié dessus sur cette chaise. Spoilez pas. Farmington, il a pas fait le 2, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, spoilez pas, peut-être, pour Red Dead 1 et 2. Mais oui, mais qu'il est con. Ah, le plein. Ah ouais. J'avais fait une vidéo, là, Red Dead Redemption 3, avec 10 scénarios possibles, je crois. 10 ou 8, ou 5. C'est vraiment une grosse différence. Je sais plus, je crois que c'était 8. Il y avait des bonnes idées dans ma vidéo. Quand je l'ai revue, j'étais là, putain, mais waouh, mais t'as fait un travail de fou. Et depuis, je fais plus de vidéos comme ça. Je devrais, hein. Ça prend trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps. Ah oui, Farmington, ok. Là, le online de Red Dead 2 est RIP, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a eu des mages depuis? Non, ils font juste des... Ils font juste des trucs de temps en temps, non? Ils mettent la neige à Noël et c'est tout, quoi. Parfumeur. Plus rien, ouais. Après, moi, comme j'avais dit, Red Dead 2 online, ce qui est compliqué, salut Rick. Rick le maudit. Bonsoir à toi. Ce qui est compliqué dans Red Dead 2, c'est que t'as pas toute la liberté que tu peux avoir dans un GTA parce que c'est ancien et donc, bah, tu peux pas faire des trucs avec des motos de sport, des voitures de sport, des trucs et tout. C'était, vu que t'étais limité pour la technologie de l'époque, on va dire, tu peux pas faire du tuning sur des charrettes, quoi, en gros. Salut Vincent sur YouTube, coucou. Alors cette Carsy Cup, sur YouTube on est au courant de rien du coup. Eh ben Vincent, ça a été lamentable me concernant.
J'ai vraiment fait de la merde. Je suis mort au bout de 35 minutes. Ensuite, j'ai réussi à revenir dans la course comme un shonen. Et genre vraiment, hein, je suis revenu très très vite. J'ai réussi à faire 22 boss et puis je me suis téléporté au mauvais endroit. J'ai tenté un skip, je suis mort. Et du coup, bah, c'était terminé. Il s'était écoulé déjà 1h30. Donc il restait 45 minutes, je crois, un truc comme ça, on va dire. Et du coup, après, bah, j'étais tilté, donc j'ai fait de la merde. Je suis remords. Et puis voilà. Je voulais m'acheter ma petite maison. Eh ben non, pas possible. Comment tu vas, Rick le maudit? Eh ben ouais, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelait « Comment sauver Red Dead Online ». Je vous la conseille. Il y a les meilleures idées, voilà, de ce qu'on avait pu trouver avec le chat et tout. Et voilà. Voilà, bon, où je les attends au tournant dans GTA 6, c'est que j'espère qu'on aura les écouteurs pour écouter la musique quand on est à pied. Je comprends pas que ça existe pas encore. D'où il y avait de la malmort là? C'était quoi là, cette histoire? Il y a de la malmort sur moi là. C'est bizarre. Hein. Surprise, no soirée carpet, ok. Don't what? Attends. Salut Pepsi! Comment tu vas? J'ai pris une flèche dans le tibia, Pepsi! Ok, les pierres runes, on a ce qu'il faut. Je regarde. On va se casser. J'ai compris. C'est qui me tire dessus? C'est pas lui, là! Salut! Re! Salut! Mes couilles ont quitté Oasis. Et relance Pinky. Eh! J'avais dit ou j'avais pas dit le chat? Que quelqu'un demanderait. Non, ce qui s'est passé, Pepsi, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, j'ai lancé une All Bosses No Death Randomizer sur une autre seed. Pour en avoir une séparée. J'en ai deux comme ça. Si je meurs sur une, je peux retourner sur l'autre, en gros. Comment ça va, Oasis et les couilles en kit? Est-ce que ça biche dans vos vies? Est-ce que ça biche fort? Putain, les pierres, je suis verni de ouf. Bah, j'y allais au moins, en fait, Vincent, moi j'y allais pour... c'est Vincent sur YouTube qui me pose la question, enfin, qui me dit que j'y allais pas pour performer. L'expérience a dû être sympa, voilà, oui. J'y allais pas pour performer, mais clairement, moi, j'y allais pour... Je voulais faire 40 boss, tu vois. Je voulais pas mourir et faire 40 boss. Donc, je suis déçu de moi, mais bon, c'est comme ça, écoute. Réveil de la sieste. Oh, la flemmasse, quoi, le sac à flemme. Sac à flemme, va. Putain, ça dort. Bah du coup, vu que je suis pas chronométré, je peux aller faire quelques petits trucs en plus, genre ça, là. Ok. Ouais, mais c'est pour ça que c'est mieux de pas savoir, hein, je pense. Ou alors de Spanky. Et ce que j'ai appris à la Carsy Cup, il faut jamais sortir de sa route. Voilà, ce que j'ai appris. Je pense que c'est ça qu'il fallait retenir. Des bisous, mais qu'il est con. Ciao, ciao. À demain si t'es par là. Bon après-midi. J'ai pas d'armes sombres. Est-ce que c'est bien l'épée bâtarde? J'ai aucune idée de si c'est bien l'épée bâtarde. Avec la cendre de guerre, peut-être. Peut-être que j'ai chopé là le truc.
Ouais, il y avait un sacré niveau. Mais là, vendredi, il va y avoir... ça va être énorme, à mon avis, hein, Nihil. Ça va être monstrueux, vendredi. Vendredi, il y a quand même le numéro 1 mondial speedrun. Il y a Pearl, qui est le numéro 1 à avoir fini le Hollow 6 Random No Death. Il y a Lamich qui fait du no-hit. Il y a vraiment du beau participant là. Salut Blonde Sucré. Welcome. C'est correct, mais c'est une des pires armes de la classe. Ok. Ah ouais. Attention, je vais rester sur l'encre au départ, je pense. Avec les pierres normales. J'aurais dû level up là. Oh, la sombre 5, je crois que je l'avais pas celle-ci. Oula. Ouais, non. Lui là. Avec son attaque. Je peux pas me TP. Je vais juste prendre mes levels avec ce que j'ai de rune. Oui, oui, et Iron, ouais, qui a fait. 69 en condition de race. Il est allé au tertre draconique ou pas, Ironieux ou pas du tout. Allez, je vais faire un pipi tactique, j'arrive. Lamich a fait un gros score, hein, en assurant. Il m'a mis un bruit. Par contre, les poules ont été vite réglées. C'est-à-dire, mes couilles en quittent. Moi, je suis en 4K, donc j'ai mis 50 Lord Spanky en taille de la police. Allez, un peu de vigueur. Et c'est reparti. Ça va, tout est bien, niveau son et tout, c'est pas... C'est bien réglé, même le jeu. Je pense que je vais le buter, le cafard, là. Espèce de cafard. Ah, je l'ai pas mis, l'arc runique, putain. Merci, Ced. Ah ouais, en regardant le multistream, tu voyais direct qui allait passer dans le premier des poules. Voilà, Vitu Dibos. Ma remontada, quand même, elle était quand même insane, je trouve. Ça, c'est le chat qui m'a... Mon setup était supersonique, mais ça, c'est le chat qui m'a sauvé. Quand j'ai pas arrêté de répéter « Elle est où la pierre 5 ?»« Elle est où la pierre 5 ?»« Elle est où la pierre 5 ?» Et là, vous avez tous répondu « Elle s'est calée ! Elle s'est calée !» Et du coup, go, go, go ! Go, go, gadget au plus 7. Ouh, ça, c'est bien, ça. La disqueuse de foie. Ah, ça, c'est très cool. Putain, j'ai trop envie de tester. Ça vous dit, on teste pour le early game, c'est pas mal, hein. Salut, Brigitte Macron, comment ça va ? Par contre,
On va se faire une Chico. Balle perdue. Oh, what? Bon rivo. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut toujours le coup. Ouais, ça va, je me suis remis de mes émotions. On a fait un débrief, la Brigitte Macron. C'était super, d'ailleurs, le débrief. Pierre 2 x 3, ok. Putain, les pierres, j'ai ce qu'il faut, non? Enfin, je vais pouvoir recommencer à les taper du boss. Hein. J'ai ce qu'il faut en vigueur, en tout cas. Au souvenir, ça a fait du bien. Chico, pas malheureux du tout. Ah putain, il y a vraiment des dingues qui se passent sur ce jeu, c'est un truc de fou. Je trouve que, je le dis, mais je trouve que le jeu il est mieux en randomizer. Je le trouve vraiment mieux en randomizer le jeu. Vanilla c'est cool, hein, y a pas de souci, mais random c'est le meilleur jeu du moment. Moi je serais From Software, je ferais un roguelite, un jeu qui est pensé pour ça. Il me fait son attaque avec les merdouilles, on va se faire une ZH1 là-bas. Merci à tous. Après, vous pouvez vous foutre de ma gueule hein, aussi, hein, vu que je suis tombé dans le vide. Et j'ai pas eu le temps de me TP. Le setup de l'Amiche Masterclass. Il a deux shots. Shots tellement de boss après impressionnant. Il était sur quoi lui comme arme la miche? Putain, mais je suis pas allé voir ses vidéos, faut trop que j'aille voir. Oh, le truc de Loretta. Il avait le croc, ok. On dirait des pâtes sans beurre, sans sauce, sans pâte même. C'est, on dirait l'eau des pâtes. Pâtes. Je sais pas si c'est très safe ça. Ouais, c'est pas ultra ultra safe, je le dis. Je le redirai après, c'est pas très safe. Ok, une bonne armure par contre. Ok, on a Jean-Michel le gros connard de Petit Diablotin. Ok. Lui il a l'air d'être un peu AFK dans son cerveau, ça a pas l'air de bien se passer pour le dragon. Des pierres 6, je pense que je peux ouvrir un magasin, une supérette. Oui, encore une pierre 6, pourquoi pas. Poison man, il me gave grave. Ok, la pierre 8. Tous les jours, je prends le marteau putréfié, moi. L'eau des pâtes? Non, c'est bon, l'eau des pâtes. Tu mets du curry dedans. Tu mets eau des pâtes, curry. Au top, quoi. Eh, des objets de G. Il a roulé sur le jeu après. Ils sont forts, hein, tous ces gens. Hein. La miche, c'est le gars, il est putain de calme. Il réfléchit tellement comme il faut, je pense. Bon, là, on est pas mal, hein. On a le marteau putréfié. D'ailleurs, est-ce que je peux le porter ou pas? Non, force 26. Donc, il me faut... J'ai ce qu'il faut, ouais. La charge lourde directe, ouais, c'est normal. Ben, c'est si léger que ça, les trucs de Radahn. Mais en fait, l'armure de Radahn, c'est une des meilleures armures du jeu, non? Ou je sais pas. Ah, mais je suis en charge lourde, mince. Là, c'est charge moyenne. Ok. Ah mais j'ai le bouclier. Ah ouais. Attends, peut-être ça. On va peut-être essayer de faire mieux, enfin moins lourd, je veux dire.
putain, ouais, non, la truc du creuset, c'est pas la peine. Ok, charge moyenne. C'est vrai que les meilleurs joueurs sont calmes, hein, en fait. Moi, je m'énerve trop. Puis, tu sais, je baisse les bras, là, instantané, quoi. Instantanément. Tiens, on va faire du skip. Hop là. Ouais, j'avoue, t'as one shot, Radan. Oh, ah ouais, non, je me rendais pas compte, en fait. Si je teste, suis la chaîne. Si je teste. Merci pour le follow, si je teste. Bonjour à toi, bienvenue. Si je teste, suis la chaîne. C'est pas assez fort. J'ai l'impression. Je sais pas comment monter le volume de ça. Vous voulez que je zoome ou pas les nombres de boss du coup? Attendez, je crois que je peux. Ah non, j'ai viré l'overlay. Attends. Clone. Ok. Ajouter. Hop. Je clone, je crois. C'est ça. Ouais, donc là, ça, c'est le jeu. Là, je fais ça. Je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ça vous va là? Top ton stream, merci beaucoup. C'est beaucoup plus calme que d'habitude mon stream, mais là je me régale de streamer. Je suis un peu dans un état second de fatigue absolue, parce que hier je me suis couché à 4h30 du mat même. Attention à lui là. Attention ce mec. Du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, mais je pense que c'est plus agréable. Surtout pour un samedi où je pense que tout le monde est défracté. C'est qui s'est levé là? C'est qui s'est levé pour aller bosser qui était éclaté? Je sais pas comment vous avez fait pour vous lever pour aller bosser. Hein. Enlever le abonne-toi, non. Pourquoi? C'est ça dont tu parles? Abonne-toi! Bah, lever 6 heures au secours. Ouais, je pense que la retombée du stress, c'est ça, ouais. T'as raison. Tu as raison. Bon, on est d'accord qu'on commence au marteau putréfié, avec une petite cendre de guerre dessus, des familles qui permet de faire des gros decks. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut mettre dessus? Fais voir. J'ai ça. Ah oui, j'avais dit ça. Ah oui, il y a ça aussi, là. Grande hache, marteau de guerre. Octroi d'affinité. C'est quoi, terre dorée? À quoi ça sert, ça? Vous enfoncez votre arme dans le sol, puis tremblez, rassemblez vos forces, là. Multitude d'épines dorées. Ah, sinon, il y a le givre. Putain, putré plus givre. C'est comme avoir saignement plus glace, en fait, putré plus givre. Oh merde. D'où il est là, lui? D'où il est là, lui? La triche des débuts de run, la fameuse, mais qui a dit la fameuse. Ah oui, les bières. Moi, j'ai pas bu beaucoup. J'ai pris 2 bières. Ça va, 2 bières. 2 bières, c'est une pinte. Tout le monde me disait, bah dis donc, t'en prends une deuxième et tout. Finalement, tout le monde s'est resservi. Alcoolique et tout, ouais, voilà. Mais moi, je bois jamais. En vrai, je bois jamais. Moi, je bois quand il doit y avoir des fêtes, en gros. Moi, le gars qui dit fête, c'est pas quelqu'un qui boit. Pas quelqu'un qui boit souvent, je pense. Quand il y a des booms. Moi, je bois quand il y a la boum. Boum de givre, hein, sur le marteau, ça va être pas mal. Je pense que ouais, je pense que ça va être... je prends. Je prends la main. Oh, aucune compétence, on en parlait tout à l'heure. 10 000, eh, putain, mais... Alors, est-ce que je vais préférer cette run à mon autre run qui est valide? Je ne sais pas. Ah ouais, t'avais quasi fait le tour du cadran, ouais.
Putain, tu devais... T'as dû tomber. Putain, je sais pas comment t'as fait pour te lever, Chico. Là, du coup, ça fait combien de temps, là? 55 minutes. On rigole, hein. Là, j'ai pris plus mon temps. Bon, je vais aller faire pipi aussi. Moi, je suis chaud, hein. Caligala, faut se faire soirée Discord Race plus apéro à la fin. J'avoue. Hors stream, hein. On est d'accord. On va aller faire le cimetière de Malenia, j'ai failli dire. Oh, le cimetière de Kalia, pardon. De Maneli. Abonne-toi. Est-ce que vous connaissez ce cimetière? Je pense que oui. Oh! Putain, Intel. C'est chaud aussi, Chico? Je pense qu'on va s'organiser ça. Vous rejoignez le... On va se faire un channel, je pense. Les shows de l'apéro race. Là, on va aller faire un cimetière que je connaissais pas du tout. J'ai vu ça sur le stream de Kalia, du coup. Oh putain, pluie de flèches. Trop bien. Moi, je suis trop chelou. Ça a l'air trop bien ton programme, Chico, là. Go. On fait ça ce soir, les trucs. Putain, les vies. Les vies, les vies, les vies. Ouais, bah, c'est pour ça que j'allais pas à ce putain de cimetière. Hein. Beaucoup trop dangereux, ce cimetière. Putain, mais il est où, en plus? Il est là. Regardez ça, le cimetière oublié de la Carsey Cup, il est là. Pour ceux qui ne sachiez pas, c'est Kalia qui l'a trouvé. Ouais. Un peu de foi. C'est bon, il est fait. Pas par là. Ouais, le nouveau wiki. Je le connaissais pas, ce cimetière. Je vais écrire mon propre guide, Elden. Il y aura une photo, tu sais, qui écrit cimetière. Incroyable. Ah, du coup, faut que j'aille à la table de la grâce. Bah, je suis bien là. Niveau setup, je sais pas ce que vous en pensez, on est à peu près sur une run 8 sur 10 là. On a toutes les pierres, on a plein d'armes, on a plein de cendres de guerre. Une bonne armure aussi. J'ai le son qui est fort dans mes oreilles. Ah mais d'accord, je suis à 90%. Je pense que c'est ça le problème. Moi, je pense que je vais écrire un guide aussi sur Elden et je mettrai tous les endroits où on peut potentiellement mourir de chute. Dex plus 10 en 3 minutes. Et... Alors, fais voir les pierres que j'ai actuellement. Alors... Il va manquer 2-3.
C'est goldé, hein. Ma seed elle est goldée. Une 7, je pense qu'il y en a une à vendre. Là, j'ai 2, 3, 5. Ah, il manque une 4 et une 1. 4 et 1. J'en ai 3. 4 et 1, on a dit. Ouais, 3, c'est bon. Ok. Là, il y a une 9, mais j'en ai déjà. 12. Mais attends, j'ai 15 pierres de forge 2. Pour ouvrir un magasin. Ah, j'ai la 10 pour les sombres, ok. Ah, on est emmerdé, là. Ah, la 4, elle est là. Il n'y avait pas une 1. Où est-ce que je l'ai eu, la une? Il me semblait que j'avais eu une une. J'ai eu une une ou pas? D'où ça sort? Elle y est pas, la une? J'étais convaincu que j'en avais une. J'ai confondu. Une fois deux. J'ai lu deux fois un. Je me connais. Ah, elle a une terrasse, Kalia, c'est vrai. Allez, où? Moi, en tout cas, à Paris, ce qui est sûr, c'est que j'ai ni balcon, ni terrasse. Donc, on fera ça dans la rue. Allez. Renforcer armes, cendre de guerre. Voyons voir. Ouais, on peut mettre ça, du coup, dessus. On peut faire givre plus putré. Et après, ben, j'ai pas... Attendez, je sors de là, mais... Combien je peux l'améliorer? Attendez, c'est peut-être Bernal qui a les une. Dans la cave. Au secours. Pas du tout. Par contre, il a la 10, qui vaut 2000. Bon bah du coup je suis obligé d'aller faire, ce coup-ci on peut aller faire patte du coup. Vu que je suis en Holbo 6. Salut Galaxy, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Je vais mettre ce qu'il faut dans la fiole et je vais mettre la bonne cendre de guerre aussi sur mon marteau. Je pense qu'on va violenter des gueules avec ce marteau-là. Vœu d'inflexibilité. C'est pas le truc qui permet d'être invincible, ça? Je sais plus. Mais il y a des boules électriques partout, en fait, là. C'est quoi, ce début de run? Tu dors plus? T'as trouvé Malenia? Merde, Galaxy. Tu te fais défoncer? C'est ça, Galaxy, tu te fais défoncer? Oui. Ok. Trop de fois. Tu sais combien? Putain, ils sont 200 sur le pont. Eux, en vrai, je les crains, là. Les petites arènes, là. R5. On y retournera, hein. Vous inquiétez pas. Il y a un objet ici, là. Hop, on récupère. Le shotel. Il y en a qui ont déjà utilisé le shotel. C'est arme inconnue pour moi, là. Ouh, ça c'est bien, ça. Ça, c'est une putain d'armure aussi. C'est quoi ta blague? Pat, quand il est triste, il fait de la peine. Mais non. Aucune peine pour Pat. Oh! Dis donc, cette émote, t'as trouvé ça où? Incroyable. Je l'aime pas, lui. Ah,
Le torrent de chiasse. Sacré Willem. Wilhelm. Wilhelm. 1300 de dégâts. Et non. En plus, t'as pris la putre, mon gars. Putain, mais il est bien ce marteau. Oh. Ah non, ça marche pas la capuche. Merde. On sait que ça marchait la capuche. Ben, si je veux porter ça, il faut que j'enlève quoi? Ouh. Allez, pas de chapeau. De toute façon, on va monter l'endu là. À Walp, ouais. On va monter un peu l'endu. Eh ben allez, c'est parti. Vous mettez les petits drapeaux. C'est le premier boss. On va mettre ce qu'il faut dans la fiole. La cendre de guerre qu'il faut. Et puis du coup, on va level up aussi l'endu. Donc le stun, la protection sur la durée plutôt. Hop, on va mettre la cendre de guerre. Et franchement, elle est gold et l'acide, là. On va accumuler congélation, accumuler. Et l'endu, on monte un peu. C'est parti. Et donc là, normalement, je peux mettre un casque. Ah, ah, ah. Ah ouais, mais là. Non, mais le style. Non, mais sans deck, le style de début de game. Pour Carcy! Pour la Carcy Cup! Des bisous, Galaxy! C'est pas grave, t'inquiète. A plus, Galaxy. Ciao, ciao. Déjà, merci de dire quand tu pars. Moi, je le fais pas, d'ailleurs. Moi, le premier. Je suis vraiment un connard. Hein. Pour ça, je suis vraiment un connard. Je m'en vais, je dis pas au revoir. Parce que je me dis, je veux pas... Sur les streams, déjà, je veux pas donner envie aux autres de partir après si je dis « T'es une merde !» Moi, la balle. J'ai pris une balle. Il y a moins qu'on se régale avec ce marteau-là. Vive le prochain event. Du coup... What a shit show. Qu'est-ce qu'un caca montre? Ribozo. Mais il en crache pas de la putrée, mais ça, David, Pat, justement, il fait pas un truc où il souffle de la putrée. Ça me dit un truc, ça. Les gommettes. On a récupéré les gommettes. Le marteau serait plus fort encore avec le casque et le talisman qui augmentent les dégâts une fois les ennemis empoisonnés. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas. Ah ! On veut juste tuer Bernal. Hein. C'est pas de la purée, ça, c'est sûr. Attends, mais il fait jour, là! What's wrong with you? Suppose I have no choice there. This grace would help us. Lui, en vrai, il est tendu. Hein. Lui, en vrai, il est tendax. Hein. C'est vraiment un gars qui pourrait être un boss, presque. Perle de Bernal. Bon, on va quand même aller monter le marteau. Bernal, il est dangereux. Ouais. C'est pour ça que j'y allais pas, moi, pendant mes runs. Hein. J'y allais pas du tout.
la Carsy Cup. Et un, hein. On peut pas le backstab. Je sais, alors, je sais pas, il est vraiment rapide. À chaque fois, je fais ça. R6, on en a un magasin complet. La pierre 4. Oh, il y a la hache du grid, si je veux. La vengeance. La vengeance. Un de dex, il faut. Pour le moment, je fais marteau putré. Mais on sait qu'on a la hache de grid, d'accord? Je vais améliorer mon marteau. Donc, je vais commencer à aller taper des gueules. Parce qu'en fait, il me manque quoi comme pierre, là? Pierre 3? Il m'en manque 2. Ça fait chier. 2 pierres 3, c'est relou, hein. Allez, ben, welcome back to la Carsy Cup, hein. Il manque 2 pierres 3. C'est quoi mon routing déjà? J'ai tout oublié. Ah oui, faut aller là. J'ai tout oublié. Ah, il est pas mal ce marteau, franchement. Mais en plus, si je prends la fiole, comme ça, là, il me met les attaques de stun, enfin le stun plus rapidement, pardon. Il y a moyen qu'on se régale, là. Putain, l'aiguillon funeste. Let's go. Let's go, on joue ça. On va se faire une run aiguillon funeste. Allez là. Stun. Ah putain, il a pris la congèle. Je crois pas qu'il ait pris la putrée encore. Je pense qu'il y résiste, lui, à la putrée. Voilà. Allez, graines dorées. Du coup, c'est cool parce que les objets clés sont sur les boss. Donc je sais que si je tue des boss, eh ben, j'aurai des objets clés. Ça va, les fils de flûte, là? Passe un bon moment, les mecs. Non, mais ça, c'est des tanks. Donc, ça reste un build de congèle. Par contre, du coup, dans mon inventaire, j'ai pas la pierre 1. J'ai quoi? J'ai 2, 3. Les 4, elles sont à vendre à la table. Putain, je peux maxer l'aiguillon funeste si je tombe sur une pierre sombre 1. Ça vaut le coup d'acheter la perle. Ok, j'ai eu du bol là. Ah, mais il est pas mort l'autre. Il a le fameux 1 pixel. Ouais, je vais acheter la perle. Par contre, ça coûte 25 000, hein, donc j'ai plus... Attendez, mais regardez, j'ai trouvé un truc. On va l'acheter la perle, t'as raison, Farmington. Putain. Mais les guillons funestes, moi, j'ai jamais joué avec, donc ça va être compliqué, je pense. Hein. Regardez-moi ce skip, mesdames, messieurs. Si vous voulez dupliquer un souvenir rapidement, il suffit d'aller là. Juste ici. Ça va YouTube? Je sais pas si ça se passe bien sur YouTube. Est-ce que le stream se passe bien sur YouTube ou pas? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est vraiment nul à chier? Quel est le niveau
satisfaction sur YouTube? Pourrait-on avoir un chiffre, s'il vous plaît? Est-il possible d'avoir un chiffre? Ah, il y a 5 personnes. Ça va être bien nul. Alors, du coup, là, pour ceux qui ne sachent pas, pour ceux qui ne sachiez pas, il faut descendre là. Ok. Il faut tuer ce mec. Il y a un mec là. C'est un mec. Voilà. Peut-être pas. Peut-être pas ce mec. C'est tous ces mecs? Non, non, non. Attendez, peut-être que la pierre sombre, elle est juste là, sur ce siège. Ça m'éviterait beaucoup de pertes de temps, quand même. Pas du tout. Ok. Mais là, du coup, il faut faire ça. Comme ceci. Oui, c'est top. Bon, mais parfait. Alors, normalement, je sais pas comment ça marche. Oh, putain, le squelette qui tire des kamehameha. Je sais pas si ce marteau est pas mieux que l'aiguillon funeste, en vrai. On peut faire les deux. Hein. Mais voilà. Il fallait les buter, comme ça lui il avance après, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ce qui est en train de se passer. Voilà, et une fois qu'il a avancé, il fait ça. Salut Overlix. Comment ça va? Il est pas encore assez avancé du coup. On va attendre encore un peu. Comment tu vas Overlix? Bonjour à toi, bienvenue. Mais alors, comment on fait? C'est censé être un tuto, putain. Ah, t'es en finale? Incroyable! Comment t'as fait, Overlix? Putain, mais GG! Non, 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 faut pas tomber. Faire comme ça. Il y a des ennemis que je devais tuer, normalement. Attendre qu'ils soient rapprochés, je crois. Ça fait 23. Tout le monde est mort dans la poule. Incroyable! T'avais qui dans ta poule, Overlix? Quoi, deux fois? Ouais, c'est trop bien. Ouais, moi, j'y suis allé comme ça, moi. Je l'ai déjà fait comme ça, je vous jure. Je l'ai fait comme ça. Allez là! Je vous assure que je l'ai fait comme ça. Je dois avoir une VOD quelque part, mais je l'ai fait comme ça. Ça se fait que moi je l'ai eu comme ça alors. Il y a moyen d'aller dupliquer ailleurs au pire. Hein. Pourquoi je duplique? Mais pour acheter. T'es. Mais. Pour acheter la perle. Petit saut. Alors.
C'était bien trop long. Mais c'est rentable. On tord quand même, mais non. Ah ah ah. Voilà. Voilà. Oh, ça va. C'est rapide, t'as vu ça un peu? C'est vraiment un bon tuto, je trouve. Putain, j'ai fait 3 boss déjà. Putain, je suis un tueur. Avant, c'était 6 heures pour 3 boss. On va quand même aller checker juste un objet avant. Si ça peut nous économiser 25 000, c'est pas mal. C'est juste à côté, là. C'est cet objet-là. Là. D'ailleurs, Jean-Mich, connu sous le nom de Revenant Royal. Spectral Royal Revenant. Arc runique. Ok. Un tuto de qualité, mais oui. Putain, je commence à fatiguer, là. Je vais m'endormir, ça vous dérange pas? Je m'endors en live, ça vous dérange pas? L'air sombre. Ça va, c'est pas hyper cher. Oh putain. C'est sur celui qui est maxé. Ah ben on peut faire les marchands de Kaelin du coup. Putain, c'est sur celui qui est scaling 15. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'il y a. Au secours. À l'aide. Ça, c'est à cause de Kalia. Depuis qu'elle a maudit ma run, il fait planter mon jeu. C'est le vortex du caca. D'ailleurs, les bénédictions sont toujours à 99. Hein. Profitez-en, c'est qu'aujourd'hui. Demain, ça repasse à 499. Désolé. Mais tu vas mourir toi en fait. Voilà la blague. La rune dorée 1 quoi. Dans le scarabée doré. Merci Laurie pour la bénédiction. Ah cool, des doigts sanglants. Ça va trop m'aider. Moi, je veux juste une sombre une, en fait, hein, c'est tout. Pour taper avec l'aiguillon funeste. Hein. Mais je commence peut-être à aller taper d'autres boss. Hein. On va faire ça, je crois. Spot de farm. Oui. Ça a des vis, hein. Ouais, lui c'est pas assez, il prend pas assez cher. Ouais c'est fait. Je l'ai pris l'arc runique, ouais. Ouh, le bon cimetière de merde. Mais je prends juste le... Oula ouais, le cimetière de merde. Salut. Ok bon, j'ai l'épée de Malikette mais c'est du caca. Moi, je l'aime pas, l'épée de Malikette. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Hein. Louri. C'est, quand tu streams, c'est que ça. C'est le nombre de fois où tu répètes les trucs, il faut aimer, quoi. C'est-à-dire, moi, ça me dérange pas. Bon, on va voir, hein. Il y aura peut-être une sombre une, ça va peut-être me sauver pour l'aiguillon funeste. C'est quoi les stats de l'aiguillon funeste d'ailleurs? Il faut 11 en intel, donc 2 points d'intel et 17 en dex, 3 de dex. Eh bien écoutez, regardez, la dex je l'ai. Il manque du coup 2 points d'intel. Au top.
Allez, une sombre une. 2-3, je m'en fous. L'un ou l'autre. Ah, je vais avoir les crevettes pour 1000 balles. C'est un peu cher quand même, mais bon. Et on va aller voir le boss du coup qui a la pierre, là, la perle. C'est un ocher, j'y vais. Vas-y, dis-moi que c'est un ocher. Chaud, c'est un ocher, vas-y. Allez, c'est un ocher. Allez, là, le nocher, quoi. Nocher, cristallien. Dueliste. Putain. Ok, donc à l'intérieur de son corps, à lui, il y a la perle de forge sombre. Scaling 15, Jean-Mich, là. MMS, comme on dit. MMS. Mange mon seum à l'arc. Pourquoi pas? Bonne... ouais. Facile ce fight. Easy, ouais. Go. Je sais pas s'il prend la putrée, hein. Je t'avoue. Je sais pas s'il prend la putrée, ouais. Ça m'étonnerait. Le vrai Ribo. One shot, no hit. Ouais. Non, on va commencer à taper des boss. Les pierres, on va les trouver, vous inquiétez pas. On va descendre juste là-bas, là, jusqu'au bout. Hop. Pierre 8, ok. Merci pour cette invocation. Et là, on va aller là jusqu'au scarabée. Et Tintinge ! Merde ! Merde ! Ah ! Une charge lourde encore. Ok. Charge moyenne. Non, j'ai pas looté le cimetière pour aller jusqu'à Gréol, mais pff, j'ai la flemme en fait. Je t'avoue. Ok. Je pense que je vais aller commencer à taper. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut taper là. Salut, putain! Salut Tintinge, putain! Comment ça va Tintinge? Bienvenue à toi. Salut sur YouTube aussi, coucou à vous. Le cochonou qui avait rien demandé, j'avoue. Ok. On va faire le routing peut-être habituel. C'est quoi les trois boss que j'ai fait? On est d'accord qu'à part Radan, la zone de Kaelid sert presque à rien dans le jeu, non? Ah non, il est quand même utile là. Attendez, on avait dit deux dentelles. Let's go. Bah moi je suis pas assez calé sur le lore hein, pour te dire si telle ou telle zone est sert à rien ou sert pas à rien. Mais par contre ce que je sais c'est que Radan, son arène et tout, et Kaelid, je trouve que la zone est extraordinairement jolie. Hein. Pour le coup. Hein. Allez là. Terre 3. Super. Super, ça c'est vraiment le top du top là, cet endroit. Ok, ouais, pas du tout chiant je trouve. Vraiment pas chiant du tout. Ok,
Ok, on va prendre la fiole après, quand je rentre. Congèle. Putain, mais ce marteau. J'avais un marteau. Un go farmé. Kaelid, zone optionnelle. Bah en fait, Kaelid, c'est vrai que si tu fais que Radahn, t'es pas obligé d'y retourner en fait. La musique en Kaelid, ouais. Super. Super bestial, ouais. Pour la morte fleur, est-ce que j'en ai une? Pas con. Et j'en ai pas. Je vais aller en acheter une, j'ai vu qu'il y en avait au shop. Alors il tombe pas. Parce qu'il a pris la congèle, non? Wow! Le truc! Je déteste! 5! Mais on n'est pas chronométré! Du coup, on s'en fout un peu! On va aller filer une morte couillasse, t'as raison, Kalia. Des bisous, mes couillons, Kit! Bonne journée à toi! Enfin! Bise, Rebo! Elle est là, elle est là. Allez, elle est là. Elle est tout. Ça c'est bien, mais c'est pas bien à la fois. Mais alors ? Mais putain ! Bisous, bisette.
Putain, mais le chien, il m'a défoncé, quoi. N'importe quoi, hein. Ouais, faut que j'aille acheter une morte fleur. Quoi pas, c'est rapide. Hein. Si elle a sombre une, je serais gâté. Hein. Je fais le boss et je vais faire ça. Alors hop, on va prendre ceci. Quand même pas mal là, niveau défense, il manque plus qu'une crevette et ça sera good. Moi aussi je fais d'un congèle, mec. Allez, mes imputes. La putrée, par contre, c'est caviar. Ah, ça marche pas, my uptime? Bizarre, hein. Trop bizarre que ça marche pas. Et du coup, regardez, là, ce qui est bien, c'est qu'on les a en français. J'ai fait la sentinelle de l'arbre, le chef semi-humain, chevalier du creuset. Il y a pas mal de boss que j'ai fait, là. 6. Et elle me donne pas grand chose. Non, Wisebot, je l'ai pas. Elles m'ont jamais rien donné de bien. Hein. Les fourmis, pour le coup. R4, j'ai ce qu'il faut. Sinon, il y a la hache du grid, ouais, que je peux porter. Ah oui, mais j'ai pas la pierre une. Donc, hein. On va prendre l'aiguillon funeste, on a dit. Donc, non, non, non. Pierre 5, c'est good. Ça, j'ai ce qu'il faut. Je crois que j'ai la perle secrète céruléenne. Pour l'aiguillon funeste, c'est caviar, ça aussi. À la 4, elle est là. 5, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai pas. Bon, écoutez, on va aller voir Gurank, du coup. Ouais, j'ai mis à jour, ouais. J'ai mis le nouveau. J'ai mis la dernière version. J'avais pas le fichier... Enfin, c'est bizarre, j'avais pas les lignes de code pour modifier la taille de la typo et tout, alors que là, maintenant, c'est bon. La dernière commande... La commande pour la dernière mort, c'est... Point d'exclamation, mort, Thomas. Mais je suis pas mort. Je suis pas mort. Ouah. Super. On va aller faire le cimetière aussi, du coup. Non, parce que j'ai pas assez dormi, Thomas. Du coup, j'en ai relancé une conjointement. Et du coup, bah, j'aurai les deux runs. J'aurai les deux runs, voilà. J'avais pas assez dormi. Je me suis dit, vas-y, je vais exploser mon personnage à 105. Ça me saoulait. Donc, j'ai préféré jouer avec ce perso-là. On peut faire gréole avec ça ou pas? Avec la putrée. Oula. C'est que saignement, non, pour gréole, je crois.
Enfin, c'est soit la chiasse, soit la diarrhée. De ce que je comprends, là, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Est-ce que je peux aller encore pour trouver des pierres sombres une? Ah mais il y a le marchand. Il y a le marchand au bout de Kaelid là. Bah du coup je vais pas faire Greyol. Parce que j'ai pas de saignement. Possible. Attends si peut-être. Ah j'ai ça. J'ai la faux. Ah, c'est juste saignement, du coup je suis un peu dans la merde. Oh putain, il y a un chevalier du creuset là. Le scaling doit être insane. Le tertre, hein, franchement c'est monstrueux hein, le scaling. Et Messa David, du coup, bah en fait finalement Kaelid c'est là pour les all bosses, hein, je pense, tu vois. On va y aller avec ça. Hein. Sans doute, ouais. Il y a le gros crâne à côté de Greyol, ouais. Et les chaises au pied, ouais. Il y a, c'est vrai qu'il y a ça. Plus le marchand, normalement, quand même, on multiplie nos chances de trouver une pierre une. Quand même. En plus, j'ai ça. Donc c'est gratuit, là. Ça va vous? Ça a été la Carsi Cup pour vous? Ça va être long. Le mouvement de la foule, il est lent. Hein. Alors si on fait ça. Normal, il devrait saigner peut-être plus vite avec ça, je sais pas. Mettre la musique. Hein. Veuillez patienter, nous allons tuer Greyol. Nous allons tuer Frétille. Mon correcteur orthographe a appelé ce dragon Frétille au lieu de Greyol sur le strip de Galdra. C'est cool, une après-midi chill avec Ribo. Bon, bah tant mieux si ça vous plaît. Moi aussi, je suis peinard là, c'est bien, c'est sympa. J'avoue que je suis un peu KO, mais ça va quand même. Ça va, ça va. Et là. Et merde! J'ai pas ce qu'il faut. Salut la frise! Le frise, pardon! Veuillez patienter, nous faisons tout notre possible pour réduire votre temps d'attente. Putain, ouais. XP facile, j'écoute! Putain, l'enduc, ça prend.
Là, vraiment, c'est long pour le coup. Wow. Ben, c'est une faux de merde. Je vous avoue. Salut, Arthur. Cours de tennis. Ça s'est bien passé, Arthur, le tennis. C'est quoi que j'ai modifié, Farmington? T'as modifié un truc dans tes réglages pour les messages en avant? J'ai l'impression que ça fonctionne plus, c'est-à-dire, c'est quoi qui fonctionne plus? Ah, mais je pensais que je pouvais pas l'apporter à une main, c'est pour ça, Neptonic. Mais oui, en effet, ça utilise moins d'endu. Mais ouais, c'est une faux, quoi. Attendez, j'ai pas pris la bonne. C'est quoi qui s'affiche plus, Farmington? Les réglages pour les messages en avant. Mais qu'est-ce que c'est, les messages en avant? Les points de chaîne, c'est ça? Un peu tôt la pâte, ouais, peut-être. Ça marche plus, c'est ça? Lance Punky qui dit que ça fonctionne. Peut-être que toi t'as pas les... T'as pas les bons... Les bons... Je sais pas, peut-être réactualise. Putain! Le gréole! Un peu tôt, ouais, la pâte. Hein. Ah, c'est bon. En plus, tu peux la prendre quand il meurt. Mais je crois que j'ai jamais fait aussi long au gréole. Ah, mais c'est bizarre, ouais. Je sais pas pourquoi ça te faisait ça. Allez, hop. Hop. Pierre 7. Putain, il y a tout sauf des pierres 1. Hein. J'ai beaucoup d'espoir dans ce marchand là-bas. On va rechanger d'arme d'ailleurs. Franchement relou le dragon là. Trop long. Hein. Putain, mais j'ai des pierres normales. Oh! Lance de glace. Mais je sais pas si c'est pas mieux ce que j'ai. Moi, j'ai le nuage de glace. En tout cas, c'est la run frost, là. T'as fait ton repas devant Gréole? Ah ouais, dis donc, t'as mangé quoi? Le casque de Géminé, c'est pas mal. C'est un bon casque, ça. Ah ouais. Oui, d'accord. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Il reste donc un cimetière. C'est tout. T'as eu le temps de finir Elden Ring deux fois pendant la nuit. Eh ben dis donc. C'est du speedrun, ça. Lui me fait peur. Il va me faire souffrir. Lui aussi, il va me faire souffrir là-bas. T'es à moitié en train de dormir, mais ça, c'est normal. C'est le résultat d'une bonne cacup, ça.
Je vois ma barre de vie sur le stream, du coup, sur YouTube. Je trouve qu'elle est toute petite. Ah ouais. Je peux prendre 10 levels. Déjà, on va prendre le level d'Intel qui me manquait. Hop. Allez. Ah, j'y ai tellement cru en voyant ça. J'ai tellement cru. Pas de pierre 3, du coup. Il va nous rester Margit, les amis. Donc, on va aller le faire, là. C'est un bon début de game, quand même, là. Les résultats, tu dois les avoir sur... comment dire, hein. Je sais pas. Sur le lien, peut-être, des poules. Mais je l'ai viré, le lien des poules. Donc je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors je vais me reposer là. Putain, il a le swag, mon perso, là. Il est tellement flippé. Je vais faire un deuxième pipi tactique. A tout de suite. M'entendez-vous? Test, test. Let's go. Oh putain. On va back. On va back. À moins que Roger prenne la max avec le nuage de givre. Mais ça pique, ouais. Attendez, hein. J'ai juste testé le truc de glace avec Roger. Ouais, non, on va back. Du coup, je le bute. J'y arrive, quoi. Et là, on back. Les trois qui arrivent, là, c'est bon. Je fais pas assez de dégâts. Deux pierres 3 et une pierre sombre 1, c'est quand même fou que j'ai pas trouvé l'un des deux, quoi. On va aller faire le lac après, la petite grotte.
La récompense. C'est de la merde. Ok. Dieu. Dieu. La putrée plus la congèle, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Attends, on va passer par là. Là, je gagne quoi? Du tout. Vraiment pas top. Les totos suivent la chaîne. Poulet Toto. Merci Poulet Toto. Poulet Toto, incroyable. Le nom. C'est gros là-bas le truc ou pas? Je me souviens pas ce que c'était là. En boss de nuit. Bon, 8 boss. Même pas ce que c'est. Ah mais non, c'était les... Ah, oh, c'était les petits potes, là. C'était les... Ils sont 200. Ah ouais, c'est ça. Non, je peux peut-être tuer les petits avant les... Peut-être pas, je peux tuer peut-être les gros avant les petits. Compliqué là. Ok. Il y en a un qui est frostbité là, le petit. Le saignement, moi, qui me fait peur avec lui. Ok. Ok. Salut Monsieur Julius, comment ça va? Bienvenue à toi. Je peux me permettre, je pense pas que tu devrais utiliser ton marteau avec l'affinité glace en vrai vu que t'as déjà brume glaciale. Ah. Sûr que ouais. Je pense que c'est pas opti. Comme ça, je peux mettre une autre affliction sur mon marteau, remarque. Brume glaciale, je n'aime mon marteau de foie, et en plus, je le fais de la putrée. Ça peut être fort, ça. Comment tu vas, monsieur Julius? Ah, je peux pas, mais ça. Pourquoi tu ferais ça? Du coup, j'ai pas la glace. Du coup. Ouais, c'était cool la cacup, ouais. Même si j'ai fait de la merde, c'était très cool. Du coup, je fais pas de glace. Salut Camille, coucou, ciao ciao, des bisous, bon après-midi, fin d'après-midi, soirée, ciao ciao Camille, on va aller peut-être voir les objets qui sont par là.
Ah, si, si, t'as la glace quand même, faut juste être à deux mains. Ok. Et merde. Ok, ça c'était un avertissement du coup. Aussi. Juste l'objet derrière. Hein. Mais t'as raison, faut enlever le. Faut enlever l'affinité givre. T'as pierre 2 x 3, ok. Faut enlever le truc. Parce que, en fait, mon marteau devient glacé quand j'utilise le nuage, je crois. Dans tous les cas, en fait, il y a le... Mettre autre chose après dessus. Voir si je mets aucune. Eh ben ouais. Du coup, là, il accumule congélation, là. Ou pas. On saura jamais. Est-ce que ça, ça accumule congèle? Du coup, je peux le graisser? En plus de ça, ça fait trois trucs. Attends. C'est possible, ça? Admettons ça. Ah ouais, putain, magie, glace et froid. Mais je pense que c'est... C'est... Enfin, ouais, moi, je sais pas. Après, j'aimais bien comment c'était. L'accumulation de congèle, je trouve que c'est pas mal comme c'était, mais bon... On changera peut-être plus tard. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Ah, dans les stats de l'arme, il était pas le truc. J'ai vu, il y avait écrit 000. Allez, on se fait une Kaliga. En Intel pour l'aiguillon funeste. Allez, sombre une. Merde, mais c'est trop bien pour Malenia ça. Il est pas random lui, non? Il y est à chaque fois, j'ai l'impression. Et mon personnage, il pète la classe. Faut pas qu'il sait. C'est Alecto, j'avais pas fait gaffe. Ok, je crois que c'était juste un couteau noir, moi. Pas assez de dégâts.
pas ce que vous en pensez, mais je fais pas assez de dégâts. Ok, donc bête à tuer là. C'est vous qui avez d'autres bêtes à tuer que j'ai pas tué. Allez là, j'aimerais faire 10 boss quand même. On est à 9. Ouais, blonde. Attends, ben, on va le faire juste après. Ok. Ça se passe, il est jamais stun du coup, c'est ça? Comme ça? Ce que je gagne quand même. À la cendre, brume de givre est largement assez efficace pour appliquer la congélation même sans l'affinité de gel. D'accord. Ok. Bah écoute, je suis tes conseils. Ok. Il y a des boss que j'ai pas fait. Ah oui, c'était celui-là. Que j'avais zappé de... Champion de Fia, là. Oui, attendez. Hop. Du coup, il y a ça qui est pas bien rogné, puisque j'ai fait une dizaine. Voilà. Eh, 10 boss, hein. Abonne-toi. Il est trop gros. Il est un peu gros quand même, non? Moi j'avoue qu'il est un peu costaud. Putain! Cet oiseau! Là, là. On est allé voir ta galériance dans la grotte de Putré là tout à l'heure. On est allé voir. T'as eu du bol. T'as bien réfléchi pour le coup. Putain, j'ai fait 4 heures de stream. Hein. Non, mais ça va en fait, là, la bande des fils de flûte, là. Non, mais ça va. Oh, toi. Crotte de bique. Non, mais c'est Dragonland.
Bien sûr. Coche. C'est quand même cool quand les objets sont sur les boss. Hein. Ça, on peut pas dire, mais c'est quand même top. Hein. Je vais prendre celui-là. Y a là, là. Salut, Bloodslide. Comment ça va, Bloodslide? Bienvenue. Non, j'ai fait une autre partie parce que j'étais crevé. J'ai fait une autre partie parce que du coup j'étais fatigué, j'avais peur de perdre mon perso sur l'autre partie d'avant, la partie valide. Mais on pourra y retourner, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai fait. Il y a le tuto. Mais il y a là. Ouais, j'ai toujours ma run à 105. Ouais, 105, la run, l'autre run. Elle est toujours valide, elle est toujours là. Je l'ai bien mise en temps mort. Putain. Ouais. J'avais pas vu ça. Ok. Je vais peut-être prendre un truc de récup dans le nu. J'ai un peu peur de cette geôle à chaque fois là. Fatra là. Je sais pas pourquoi. Oh. Talisman, non? Des bisous dans Spanky. Aussi, c'est l'heure de la sieste. Tout le monde sieste. C'est normal. Je peux déjà aller à Mogwin. Hein, pour farmer. Salut, Killark. Bébou. Comment ça va, Killark? Coucou. Ok, c'est bon. Non, mais les pierres 3, je vais faire comment pour les choper? Il y a peut-être là, là. Il y a deux trucs, là. Il y a deux objets. Pierre 3 ou pierre 1, hein, moi, n'importe. Ok. Ah ouais. L'ours AFK, vous avez vu, rentre d'une nuit blanche, j'ai trois neurones qui se touchent mal, mais au KLM, putain. Courage à toi, salut sur YouTube aussi, coucou à vous. Je vais voir l'objet, j'ai vu. Ok, ulcéreux. Ouais, super.
que c'est pas putré, non, ça va. Je croyais qu'il était mort. Du coup, il prend pas la putrée, lui. Il devrait, pourtant. Je l'ai eu, lui. Oui. Je crois. Il y avait qui, là? Ça vous plaît, quand même? Je suis un peu crevé, mais bon. Ça doit se sentir, quand même, que je suis KO, là. Pas tarder à arrêter, je crois. La putrée ou pas? Les Made in Gora. Ah, il a pris la putrée. Ça va? Combien de fois? Toujours cool tes streams. Fatigué ou non, merci. Attendez. Attendez les perles des trucs là. Je vais voir les fichiers log de la site d'hier pour voir où étaient les larmes de vie. Ouais. Il n'y en avait pas. Acheté. Ou pas. Ou pas de pierre une. Là, il n'y a rien. Je suis sûr que c'est Ghostock qui a la pierre une. Fout la rage, hein. Quand même, avec tous les shops que j'ai, avec tous les shops que j'ai, l'enfer. Hein. Hop. Il manque une sombre une pour maxer l'aiguillon funeste. C'est tout. Je l'ai là, tu vois, l'aiguillon funeste. Et il me manque la sombre une. Et j'ai acheté la perle. Mais la perle, elle est là, du coup. Le noble, t'en as pas droppé, non, je crois pas. Non, non. Sombre 1, j'en ai pas. Mais sinon, t'as vu, j'ai 2, 3, 4... Enfin, 4, je peux l'acheter. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Des bisous YouTube, ciao, ciao.